Bon les amis, et lui, nouveau vlog bien sûr à liker et vous abonner à la chaîne d'une café. Oui, les gars, sur le nouveau Famier N3 épisode 11. Ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur la map Unclick et sur la série Nouveau Fermier, hein, évidemment. Parce que même moi, ça fait longtemps. Je vous rassure. Aujourd'hui, on va continuer à cultiver. Je sais pas si on a vraiment, je sais pas si on a acheté une. Attends, ouais. On va continuer de cultiver et on va continuer aussi de semer. Pendant cet épisode qui va pas être très très long, je sais pas, il va durer que 30 minutes seulement. Donc voilà, vous voyez l'heure que je suis, il est 18h05 alors que je tourne cette vidéo. Et là il va continuer à semer et nous on va continuer de moissonner notre champ d'avoine qui doit tout loin parce que c'est le dernier. Et il faut qu'on fasse celui-là qui est derrière, je pense. Je sais pas si on l'a fait celui de derrière là. Pas rien de quand même. Et on a encore celui-là à faire, donc vous inquiétez pas. Par contre, est-ce qu'on a acheté. On a acheté. C'est pas mal. On a 72 000 euros. Et par contre, c'est où ça? Et cet là il peut l'atteler en. Il est où le. Ils sont où les autoloads là? Attendez. Oui, ils sont les. Ils sont à la ferme. Non, mais pour la voiture, ça, vous pouvez mettre ça dans la voiture, c'est pas un problème ça. Bah, les gars, c'est parti, je vais mettre un accéléré, je vais chercher le chargeur avant et la palette. A tout de suite. Bon les amis, tout le monde les amis, bon les amis, un grand accéléré, je suis en train de réfléchir un peu. On achète un plateau. Vous avez dû voir en accéléré, bon, c'est vrai que c'était pas trop accéléré parce que bon, il y avait beaucoup d'ouvriers tout ça. Mais c'est vrai que les gars, on pourrait s'acheter un plateau, du coup on va pas acheter un plateau parce qu'on va pas tarder à démarrer les usines de production. Et ça serait bien qu'on en démarre une, mais je pense qu'on démarre d'abord par les... Enfin, après il faudrait qu'on démarre par les serres, hein. Ouais, non, faut peut-être qu'on démarre par les serres. Hein. Qui a fini dans cette histoire? Une qui a fini. Tiens. Bon, je vais arrêter mon régulateur de vitesse. Donc, on a fait une fourche, sûrement pour les palettes, ça va être pas mal parce que bon. Et d'ailleurs, pour la voiture, on pourra en livrer une, ça va être bien sympa. 1340, puis tu peux prendre celle-là. Hein, tu vois, ça sera pas ça. Ça sera 1340, en tout cas, pour les œufs, c'est repris combien? Ouais. Et le soja, il a repris combien? Ouh! 2003, l'avoine est repris à 1826, c'est pas mal. On a hâte d'accélérer le temps. Donc, ouais. Voilà, ce week-end, les gars, on va partir en moisson. L'ouvrier, il a fini, donc il va directement aller de l'autre côté. Ça, c'est sympa. Donc, il va directement aller traverser l'autoroute. Oh, putain, mais ayons. Ok. Donc les c'est parti les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Bah j'espère que vraiment cette vidéo vous plaît. On va parler de notre suivi de stage, par contre on est arrêté à je ne sais plus quand. Mais je pense qu'on en parlera prochaine vidéo, t'inquiétez pas, prochaine vidéo on en parlera. Pour cette vidéo là je pense que je vous laisse tranquille. En tout cas ce week-end il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Donc on va se rattraper, vous inquiétez pas. Et je crois qu'on oui, on est très loin, hein. Je crois qu'on a besoin d'une semaine de décalage, connerie. Vous inquiétez pas. Oui, on va se mettre la voine dessus, je sais pas. Et puis le côté, on va se... Et puis dans le bout de partie, en tout cas, le sorgho, ça vaut pas grand chose. Le sorgho, ça vaut pas grand chose. On pourrait le vendre après 1486. Hein, on fait chier là. Donc les œufs, ouais, on va pouvoir se rapporter un peu plus que prévu. Ça, c'est pas mal. Et bien, puis tout cas, le sorgho, on donne nos nourritures. Ou soit, là-bas, on arrête et puis on se fait du blé. Parce que tout quoi pour les poules, je pense que les poules ils aimeraient mieux avoir du. Et ils ont 11 mois. Ouais, mais faudrait qu'on en vende un peu des poules là. Attends, on peut pas en vendre un bout des poules là. Pourquoi on en vendrait pas 3 ou 4 même. On va vendre 4. Au moins, ça produit. Et c'est pas con. Ils ont le taux de reproduction.
Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il faudra qu'on achète un autre poulailler. Hein. De toute façon, si on va vraiment être rentable niveau œuf. Vous avez vu, hein, Donc on arrive d'acheter des champs. Je pense que c'est une très bonne récolte. Et puis qu'on revend celui-là, là, ce week-là, là. Il vaut 6000 euros. On va pouvoir récupérer rien du tout. On met un deuxième, surtout mettre un deuxième et qu'on garde celui-là à 30. Hein. Ok. Genre, on a foutu quoi notre Ben là. Oui, là, voilà, Ben. Bon, bah tant pis. Bon, est-ce que c'est parti, les gars? Donc, du coup, là, on a jamais assez d'argent pour acheter des poulaillers. Faut qu'on chute à 10 000 euros. On prenne au moins, je sais pas combien de poulaillers, puis qu'on se prenne un. Faut qu'on se prenne un autre champ. Hein. Non, c'est pas possible. Pourquoi on se prendrait pas une serre? Des serres, les gars. Non, mais on peut sortir de budget. Les serres, les gars. On va parler beaucoup de. On va pas faire beaucoup d'accès, peut-être, mais. Des serres. On se vend. Laitue. Regarde. Ça a pris 3000. Tomates. 1004. Allez, 1006, hein, ça c'est bon, on vend. Et fraises, on est vend, ouais. Si on se met. On va les trouver en route. Même si ça fait pas beaucoup. Mais ça sera toujours ça de rentable. Donc, on achète un plateau. Qu'on achète une tonne à eau. Et non mais les gars voilà, faut qu'on voie la série. On va mettre un accident, on va essayer de. Voilà. Faut qu'on voie la série de A à Z. Donc faut qu'on voie tout de toute façon. Dans cette série là faut qu'on voie tout. Ça sera le but prochain qu'on voie tout. Parce que là on se mélange un peu. Et les œufs, on reste à 30. On reste à 30 œufs. A chaque fois on en vendra 3 ou 4. Et puis tout quoi avec le sorgho qu'on se fait, c'est pas mal. Hein. Donc tous les quatre, en tout cas voilà, chaque journée faut remplir, à peu près chaque journée faut remplir, c'est pas un problème. Parce qu'on on a pas une grande capacité là-dessus. Mais les œufs, on peut être tellement rentable si on tombe en plusieurs jours, rempli au fur et à mesure. Ouais bah sens, il faut remplir à fond. Bon, à chaque fois on prend une grande benne, on se prend une grande benne. Puis à chaque fois on vide. Moi je trouve ça mieux rentable qu'on fasse ça. Et du coup ici on va faire du soja. Donc tous les cas, vraiment l'avoine c'est rentable aussi. Hein. Voir, le soja c'est rentable, on a fait deux champs d'avoine. Et sinon après on achèterait le champ 47. Et on pourrait se faire de l'avoine, des cultures qui rapportent. Et le soja ça rapporte quand même. Même si attention par contre le B. Qui a fini là encore là? Qui a fini? Bah lui il a fini, bah il va devoir attendre. Ouais, parce que moi je tourne avec les ouvriers donc c'est un peu plus compliqué là. Donc, tu vas attendre 5 minutes là. Hop, ça avance pas ce tracteur là. Franchement, il. Et en tout cas, je pense que si on allait sur Belleron, c'est vrai que sur Belleron c'était plus simple. Et puis qu'on découvre la map sur une clique, c'était 100 fois mieux. Parce que c'est vrai que moi, la map allemande, la map américaine, c'est plus compliqué à faire de nouveaux fermiers. Je me rends compte que c'est plus compliqué parce que. C'est, je sais pas, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Ok, let's go. Bah, moi, voilà. Non, mais gars, il faut qu'on démarre les serres. Les serres, on se prend un bout de champ là. On se prend un bout de champ là. C'est pas grave, on se coupe là. Donc, on pourrait se prendre un bout de champ. Ou dans la ferme, j'en sais rien. Dans la ferme, il n'y aura plus de place. Mais du coup, il faudrait qu'on vende un hangar. Hein. Tant qu'on hangar, on va en vendre un là, je pense. Ça me saoule plus qu'autre chose avec ces histoires. Et puis, qu'on en foute un en fin de champ, on en met un là en fin de champ. Hein. Puis qu'on goudronne et puis qu'on réduit un peu le champ, là c'est pas grave. Hein. Quitte à faire. En plus, il est pas droit ce champ, c'est vrai que c'est de la merde. Mais ça, qu'on aurait dû acheter le 147, ça serait 100 fois mieux. Bon, amis, je vais vous mettre un accéléré. Et puis, je pense que je vais être commencé à bosser les choses. A tout de suite. Mes amis, tout le monde, mes amis, je pense que ça sera la dernière série de cette vidéo. Et on va se faire une miniature, d'ailleurs, on l'a toujours pas faite. Hein. Ouais, ça a l'air sympa. Bon, bah, la miniature, elle va être sympa. Mes amis, on va directement finir de moissonner le sorgho pour nos animaux. C'est vrai que le sorgho, on en fait pas mal. Hein.
C'est une nouvelle culture. Je trouve ça sympa qu'on découvre des nouvelles cultures qu'on n'avait pas sur le 19. Voilà. Et puis voilà. Et puis voilà, c'était vrai que c'est sympa. Et puis, en plus, les gars, il y a une nouvelle map qui est sur le mode hub. Et une nouvelle carte qui vient de sortir. Malheureusement, c'est une map bon, voilà, qui m'intéresse vraiment pas pour. Ça m'intéresse largement pas. Ça vaut. Ça, c'est vraiment l'outil que je voulais pas. Et je le ferai pas, de toute façon. Donc, c'est une map qui me plaît pas. Qui me plaît pas pour partir de rien. Pour ferme de base. Donc, voilà, partir de rien, bah aussi. Mais bon, partir de rien, pas, il faut trouver une map assez sympa. Que j'ai envie de tester à peu près pour les deux maps que je suis en train de voir, mais bon, la map que je viens de voir, j'installerai que pour moi. Hein. Vraiment, j'ai envie de jouer. Ce sera en stream. Mais bon, on avait une map pour les paysans. On avait fait les paysans à l'époque. Vous rappelez les paysans sur la chaîne. Et ça, faut que je revoie parce que peut-être je vais relancer cette série. Je sais pas, je vais relancer, si vous êtes chaud, faut qu'on lance une série sur les paysans. Bon, les paysans N2. Pourquoi pas sur cette map-là? Ça peut être intéressant. Je vais revoir les règles que j'avais fixées à l'époque. Bon, ça remonte il y a très longtemps, ça remonte à 2 ans, je pense, ça remonte il y a à peu près 2 ans sur la vidéo, hein. Ouais, 2 ans. Donc c'est pas tout jeune, il y a 2 ans, même voire 2 ans et demi, donc ouais, ça remonte il y a longtemps. En tout cas, c'est dans l'onglet playlist, normalement, j'espère que j'ai mis ça dans l'onglet playlist, parce qu'avant que je pète un rage. Ou soit après, quand on tape dans la barre de recherche, voilà. Bon, les amis, en tout cas, on va aller mettre ça dans la veine, et puis on va pouvoir faire la vente juste après. Par contre, faut qu'on mette l'ouvrier à semence. Ok, let's go. On reparlera la prochaine fois. Et là, on va se mettre du soja. Non, non, on va se mettre au moins du soja. Et du coup, faut qu'on achète au moins une nouvelle parcelle. Il faut qu'on achète. Oh, non, on a trop de choses à acheter. Si on achète une nouvelle parcelle, ça sera pas possible du tout. Mais quoi, ce bâtiment-là, j'ai envie de le vendre. Celui-là, j'ai envie de le vendre. Celui-là, il m'intéresse pas. Il m'intéresse pas du tout. Hop. Hop, let's go. On va aller faire ça. Ouais, ils vont faire le grand champ, mais à côté ils auront un petit champ à faire et ça sera sympa, ça sera assez rapidement. Ok, let's go. Bon, ça, bon, c'est fait. Oh là, bon, ça, ça c'est le fait de la vidéo. C'est que le loin il est mal vissé. Ça arrive. Bon, au moins, on a 2000 en sort go. Au moins, c'est pas mal parce qu'au moins, si on, voilà, on aura de la marge pour nos poules, ouais, on va être à 2000 en sort go. Mais j'ai un doute de l'agrandir un peu le champ. Mais bon, allez, on va peut-être pas pouvoir gros l'agrandir. Si je veux. Soit faut qu'on pète le silo. Le silo, par contre, c'est vrai qu'il est vraiment bien. Il est tout propre seulement. Le silo, on le changera pas. Peut-être ces granges-là, j'ai envie de les virer aussi. Mais autre chose. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Il y a quoi en mode là, intéressant là? Il y a quoi en map, en abri, en outil? Ouais, pourquoi on se fait chier atelier pour véhicule? Pourquoi mettre à l'atelier? On met juste une Karcher, de la marque Karcher, ou une Steel, pourquoi on met. Ouais, non, ça coûterait, ouais. Une Steel, ça coûterait 100 fois moins cher. Une grande station de pesage, les gars. Ça, c'est nul, ça. J'aime pas du tout. Ouais, bof, on va laisser tomber. C'est ça. Donc ouais, en tout cas, faut qu'on démarre les serres absolument là, mais en tout cas la grange. Par contre, si on la vend, la grange. Là. Je sais comment pour sélectionner là. Si je vends ça, par exemple. Ça fait combien? 44 000 euros. Moi, j'ai envie de le vendre. Il sert à rien. Il nous sert à rien. Et si on vend ça, par exemple, là aussi, ça. Mais ça nous changerait vraiment à la ferme. Ça. 22 000 euros. Ouais, ça vaut moins le coup. Ouais, mais ça nous sert à quoi, ça? Nous, on t'usera jamais, ce truc. Tu seras jamais. Du coup, on va pas faire de bottes, donc vraiment, ça sert à rien. Pourquoi on se garderait ça en... On l'avait déjà vu en vidéo, celui-là. Ouais, non, mais... Moi, je préfère qu'on le vende, déjà. Je préfère qu'on vire ça et puis au moins on aura largement de la place pour faire autre chose et puis on mettra peut-être la serre ici. Ou soit on voit. On va voir. Pour l'instant on voit rien et puis on laisse ça comme ça. Ou soit on vend au moins le bâtiment là, le bâtiment de grange et puis on met la serre ici. Hein.
Et par contre, on pourrait pas acheter le champ 40 là? Non, on est en train de voir, les gars. On est en train de visionner. Ça coûte trop cher. Que celui-là, il coûterait. Ouais, un peu plus cher, le champ 47, il est pas mal. C'est vrai que le champ 47, faut qu'on l'achète absolument. Mais si on va faire une bonne récolte là-dessus. Attends, donc là, oui, ok. Et bah, prochaine vidéo, les gars. Prochaine vidéo, je vous garantis que prochaine vidéo, on se fait une pack. Je vous garantis que prochaine vidéo, on se fait la vente. Et ouais, on sera la vente de tout. R pour commencer à remplir. Non, qu'est-ce que tu me barres, Gwyn? I, c'est très le I pour décharger. Non, 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 il est en train de faire une connerie. Oui, je peux former comme ça. I, c'est ça, ça est en train de déposer par terre. On va me déposer par terre parce que je vais m'amuser et je pense que je vais péter un câble. Ok, let's go. Bah, c'est pas mal. Ok, donc la one, c'est bon. On va attendre 32 minutes, on va faire une moyenne de 20 minutes d'épisode. Je crois qu'on va être à peu près à ça. Ok, let's go. Bah, le Wii va pouvoir aller semer. Bah, non, mais en tout cas, le Wii va pas pouvoir semer. Je vais mettre ça dans le silo directement. Voilà, au moins, la ferme, on sait qu'en ce moment, pour l'instant, on sait pas trop quoi faire. Parce que pour l'instant, je suis en train de voir ce qu'on peut faire, mais. Ok, let's go. Passons, voilà. On se fait un petit tour. Oui, ça dans le silo. Et c'est vrai que le silo, il sert à quelque chose. Parce que c'est vrai que. Bon... Tant que ça partait, les gars, je m'amuserai, je te garantis. Non, mais il ne sert à rien. En tout cas, l'atelier ne sert à rien. On ira au magasin, ça sera. On fera mieux. Bah, ça nous coûte 24 000 euros à ranger, et puis au moins on pourrait mettre une serre ici. Tu vois. Une serre là, ça nous suffit amplement. On va vendre le bâtiment là. Hein. Que de la merde. Ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas, et ça me plaît. Ça ne sert à rien en plus. Donc, du coup, un truc qui ne sert à rien, ça, peut-être on le garde, parce que bon, ça va avoir un peu de charme d'américain si on le garde. Bon, ça, je suis d'accord qu'on le garde, mais. En gros, il ne sert pas grand chose, mais. Mais il sert à rien parce que. Ok, bah let's go, ça c'est fait. Bah ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce que je peux voir manuellement là-dedans? Alors, soja, on a regardé en dessous. Zoom au montage. Donc on a quoi? On est à 5071. En soja, on a 4193. Et en sorgho, on a 2088. On a fait que 5? Bah oui, on fait que 5. Tu vois. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'on a un grand stylo, mais. Mais voilà. Mais c'est sympa, c'est largement sympa. Bah les amis, je pense qu'on va ça va être la fin de la vidéo. Prochaine fois, on vend les œufs. Ça c'est sûr qu'on va vendre les œufs. On presse tout la bout de palette à l'intérieur. Hein. Oui, mets-moi la bout de palette à l'intérieur. Au moins ça sera fait. J'ai pas accéléré le temps tout de suite parce que tout cas on a encore un champ à faire. Et tout cas l'autre champ, bah là, oui ça va être les bons trucs parce qu'on a mis, je pense que ça. Ok, let's go. Oula. Ok, let's go. Ça, on va décaler ça à côté. Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on achète un plateau. Hein. Ça, c'est vrai que je vous avoue, faut qu'on achète un plateau. Mais il y en a un qui est Flaygle, au détour le même que pour la ferme de la PPL ferme. En tout cas, je pense que la PPL ferme de Mansell, on le vendra plus tard. Bon, là, je pense qu'on gardera pour la série. Bah, il ne sera pour les fraises, il ne sera pour les cerfs que le bon. Pour l'instant, on l'a gardé, mais ça sera un plateau qu'on changera après, vous inquiétez pas. Ça sera les deux mêmes, mais ferme de base pour nos fermiers. Sauf qu'on reviendra plus choisir un autre. Donc, bon, j'enlève cette palette là. J'aurais pu la charger à la main parce que c'est vrai que oui, je me fais chier. Moi, ça sera plus réaliste. Hop. Ah, bah là, je vais. C'est pas mal ça. Oh non, 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 non. Oh putain, vas-y, j'aurais dû le laisser. Bon, charge-le à la main. Bah écoute, charge-le à la main. Allez hop, dégage-le là. Allez, il bouge au moins là. Il bouge. Bon, ça dépasse un peu, mais c'est pas. Donc, voilà, faut juste faire attention à la route. En tout cas, les rétros, ça dépasse. Bon, ça dépassera pas au-dessus des rétros. Donc,
Ok, bah ça c'est fait. Bon, amis, je pense qu'on va s'arrêter. Ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, ça fait 30 minutes de tournage, les gars. Je pense que ça sera assez pour cette vidéo. Donc, vous inquiétez pas. J'ai l'épisode dernier, il n'y a pas eu de montage, je crois. Hein, sur le titre qui est marqué dans le titre. Et puis, on se retrouve évidemment demain. On se retrouve évidemment dimanche pour. La prochaine vidéo c'est demain, samedi, à 17h30. Peut-être dimanche aussi, on verra. Peut-être pas dimanche, ouais, mais peut-être lundi ou mardi, j'en sais rien. Ou si peut-être dimanche, ou dimanche ou mardi. On a le temps de monter les vidéos entre les deux. Ok, les amis, bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci, franchement, à tous les pour un des pouces bleus. Ah, vous avez une très bonne soirée, bonne journée à tous. Peace, tout cas, la prochaine fois, on ira vendre le soja et l'avoine. Et puis les œufs, évidemment, parce qu'on a commencé les œufs. J'espère que ça va nous donner quoi, ça sera plus rentable que d'habitude. Passez une très bonne soirée. Peace, et puis à demain pour une vidéo sur la PBL ferme et dimanche, nouveau fermier.